Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur une agriculture biologique. Et donc du coup aujourd'hui, nous voilà repartis pour du maïs graines Espo. Donc j'ai déjà fait deux tours tranquillement, histoire de... Mais voilà, on est reparti mon kiki, donc on a deux champs comme d'habitude, pour le moment en tout cas. Et y a un truc que je me suis aperçu, c'est un peu cucu, bon c'est, ben, j'ai envie de dire tant mieux pour cette année là, mais... j'ai pas vendu la graine l'année dernière, je sais pas pourquoi, j'ai oublié, on est arrivé au milieu de l'hiver, j'ai zappé, totalement, et donc du coup, ce qui fait qu'on a double dose pour cet hiver-ci, je pense qu'on le fera pour une fois, ça fait combien de temps, ça fait au moins 3-4 ans dans le jeu, hein, dans la, enfin voilà, 3-4 ans dans la partie, enfin, je vais préciser parce qu'autrement je vois déjà arriver Chris avec sa grande bouche, qu'on l'a pas fait, donc on va faire un peu de vente la prochaine fois, on louera une... On louera une benne, je pense. Et du coup, là, on louera une deux essieux. Ou alors, on en achètera peut-être une. On verra. C'est vrai que la le bouche, la petite, elle est pas trop mal. Mais je pense que maintenant, on a quand même suffisamment de puissance pour partir sur de la deux essieux. Soit ressortir la le bouche en deux essieux, ou soit sortir la le gras. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Avec ses roues ballons. Et elle était plutôt sympa. Du coup, on verra. Petit poirier règle du jour. Alors, je vous tourne la vidéo de jour J. Oui, c'est pas souvent. C'est pas souvent. Du coup, ils annonçaient du beau toute la semaine, mis à part dimanche. En fait, il se trouve que c'est couvert tous les jours. Et il brumasse un peu tous les jours, on va dire. Et en fait, on a fauché comme des cons lundi. Lundi ou mardi? Je ne sais plus. Mardi, je crois. Non, lundi après-midi et mardi matin, on a fauché, on n'a pas tout fauché, hein. On avait encore 6 hectares de, on a encore 6 hectares de paille par terre, du coup on a fait 2 hectares de foin et 2 hectares de regain environ, et en fait ça sèche pas du tout, et je sais pas comment je vais me démerder pour samedi, parce que dimanche il pleut, donc aujourd'hui, le temps de graisser la pirouette, de remonter 2-3 dents, comme je fais un peu de temps en temps, et lui il est parti à la pirouette. J'étais en train de faire un peu de débarras dans l'hangar en même temps, et moi je suis parti au bot tranquillement, donc j'ai plus que 6 bottes de foin dehors, et j'ai encore toute la paille que je vais attaquer, et donc du coup le temps de faire tout ça, bah voilà, ça t'occupe vite une matinée, on va dire, donc du coup voilà, rentrer à 1h comme d'habitude, ça c'est ma spécialité. Et presse réparée, c'est vrai que j'ai pas dit, mais j'ai eu la même casse que la dernière fois. Et après c'est réparé, le prochain coup, essayer de faire autrement, ça m'arrangerait. Le prochain coup, on change les bras du pick-up. Alors faire autrement, ce que je veux dire par là, c'est ça m'arrangerait qu'on le fasse en morte saison, plutôt que de le faire en pleine saison, où j'ai besoin de la presse justement. Mais je pense que voilà, avec la chance qu'on a, avec la chance qu'on perd a surtout avec la presse, je pense que ça va retomber d'ici peu de temps. Mais ça m'arrangerait de le faire en morte saison, ce truc-là. Plutôt que de me taper ça quand on est en côte bourre. Il faudra vraiment qu'on s'en occupe parce que ouais, c'est chaud. C'est chiant, c'est long surtout. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est long. Et t'as vite fait de bouffer une matinée pour pouvoir vider le. Pour pouvoir démonter le bordel. Donc ouais, faudrait que ça ne recasse pas, en fait. Et que je puisse m'en occuper en morte saison. Je connais mon père, il va me dire ouais mais non c'est bien, ça tourne, touche pas, machin. Puis l'année prochaine, quand on va recommencer à presser, bah ça y est. Puis c'est à ce moment-là qu'il va me dire faut se dépêcher parce qu'on a un coup de bourre, machin, et puis j'ai pas de presse pour presser, comme d'habitude. Ah bon, je suis habitué. Je suis habitué. Allez, roule ma poule. C'est reparti, mon kiki. On va quand même tâcher de faire un voyage au moins aujourd'hui, parce que d'habitude, quand on fait un épisode sur le maïs grain, on reste dans le champ. Puisque j'ai pas le temps de l'emplir avant que ce soit la fin de la vidéo. Donc, c'est pour ça que j'avais fait deux tours quand même. Il faut qu'on puisse au moins vider une fois au silo, c'est pas souvent. Et du coup, pour le moment, alors je dirais bien un tracteur en priorité, mais oui et non. En fait, je me demande si j'ai pas meilleur temps de louer pour l'instant le T7 pour pouvoir labourer.
et mettre ça de côté et peut-être acheter des champs. Alors déjà une benne, comme je l'avais dit. Faudrait que je change de smoor parce que là normalement demain soir ce sera pas le cas parce qu'on va normalement découvrir une map avec Chris. C'est pas une map qui est récente, je crois, elle est sortie depuis un moment. Et moi je crois que j'avais fait la présentation, mais j'avais pas fait la présentation de cette version-là. J'avais fait la présentation de la version console et là c'est la version d'origine qu'on va aller dessus. Donc en gros c'est pour voir si après celle-ci on reste sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire la LR-Bash, ou si on va sur celle que Chris a proposée. Je verrai demain. Après je suis pas difficile. Enfin je suis pas difficile. Ça dépend comme je le sens quoi. On verra bien demain. Je ne sais plus le nom de la map, hein, donc je vais pas vous le dire. J'en sais rien du tout. Mais ouais, on verra bien demain. On verra bien demain, on verra bien demain. Donc du coup voilà, on se retrouve pour une petite découverte demain soir. Demain dans la journée, il y a du Farmer's Life. Samedi, j'ai pas défini ce qu'il y a à avoir. Peut-être du Lawn Moving, probablement. Samedi soir, on fait du Car Mechanic Simulator. J'en démarre encore pas. Hein. J'aime beaucoup le jeu. Et dimanche du snow, comme d'habitude. Alors attendez, on est le 19, on est jeudi 19, vendredi 20, samedi 21, dimanche 22, dimanche 22, plus 7 jours, ça fera 29, ouais, c'est ça. Alors la semaine prochaine, ça va être fin de semaine qui va être différent. Avant que je zappe, parce que c'est vrai que je préfère prévenir assez tôt. Si je dis pas de conneries, attendez, il y a 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il y a un problème là sur les dates. Attendez, je vais vérifier parce que. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Du coup, la semaine prochaine, on va faire lundi. Il y a du changement, un changement. Du coup, il y aura une vidéo par jour, comme d'habitude, bien sûr. Mais les lives, on va faire lundi, on va faire mercredi, ça change pas. Mais on va faire jeudi et vendredi. Parce que samedi, il y a. Alors samedi et dimanche, il y a le Game Pass Challenge. Proposition présentée par Zerator. Je vous en ai déjà parlé vite fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, ça se passera samedi et dimanche. Et je ne veux pas louper, comme d'habitude. Alors, mis à part les moments où je vais aller traire, bien sûr. Mais on n'y est encore pas, mais voilà, c'est histoire de vous prévenir. Mais du coup, on va faire lundi, mercredi, jeudi, vendredi. La semaine pro. Du coup, bah, lundi, Snow. Mercredi, Assassin's Creed. Jeudi, on fera du Car Mechanic Simulator. Du coup, et vendredi, on fera du Farming. Du coup, voilà, histoire de vous prévenir que juste ce changement-là, la semaine pro. Et pour ce qui est du Game Pass Challenge. Pour ceux que ça intéresserait, même si je le dis assez souvent et je pense qu'à force vous êtes habitués, ça se passera sur la chaîne de Zerator le samedi 28 et le dimanche 29 août. Et les jeux, je ne me rappelle plus des jeux. Il y a Overcooked, Salade Tomate Oignon, hein, ça vous avez l'habitude. Même ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Il y aura du Halo 2, il y aura du Minecraft, il y aura. T'as de bordel, enfin bref, les jeux du Game Pass. Et du coup, compétition. J'ai pas regardé le cash prize cette année, je me rappelle pas. Mais toujours un très bon moment à vivre. Zara présente toujours aussi bien. Enfin voilà, c'est un peu son truc, hein, l'animation quand même. Voilà, un truc que je vous conseille de pas louper, qui est plutôt sympathique à regarder, comme à chaque fois. Et normalement, cette fois-ci, il devrait pas être repoussé parce que de base, il était prévu, je crois, juin. Mai ou juin, une connerie pareille, c'est peut-être mai. Peut-être fin mai, en fait, ça a été repoussé. Du coup, à cause du Covid, comme d'habitude. Et il aura bien lieu. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous invite à aller le voir tranquillement. Ça se passera le 28 et le 29 août. Sinon, en termes de perturbations sur la chaîne, il ne doit pas y en avoir. Logiquement. Il ne va pas y avoir de changement actuellement. On reste sur les jeux qu'on a actuellement également. Je pense que le premier qu'on finira, en tout cas pour le DLC, ce sera le DLC d'Assassin's Creed. On a déjà pas mal avancé hier. Bah déjà, j'ai commencé une demi-heure plus tôt et j'ai fini quasiment une demi-heure plus tard. Donc effectivement, on a pas mal avancé.
Mais après, il y a encore les assassinats sur le jeu de base et quelques quêtes secondaires qu'on terminera tranquillement. Et puis voilà. Prochaine sortie de jeu, si je vous dis pas de bêtises. Je réfléchis, mais normalement, si je dis pas de bêtises, ce sera Gas Station Simulator qu'on testera. Donc là, il est déjà en démo. C'est vous qui m'en avez parlé. De base, je n'ai même pas fait attention qu'il allait avoir ce jeu qui allait sortir. Et du coup, probablement qu'on fera une découverte dessus, bien sûr. Et je crois que c'est tout pour l'instant, ce qui est déjà pas mal, ce qui va me laisser peut-être un peu de temps pour avancer. Alors, c'est vrai que je dis ça. On a fini l'émission de Powerwash Simulator il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, bon, ça fait un jeu de moins. Donc, il y avait un jeu qui était prévu normalement, plus le DLC d'Assassin's Creed. Donc, là, je me suis dit, ça va le faire. Sauf que j'avais pas prévu qu'il y ait Lone Moving par-dessus. Et donc, du coup, on se retrouve blindax. Faut pas oublier que voilà, octobre-novembre, ça devrait bourrer. Puisque je me rappelle plus de la date de sortie de Far Cry. Bonne question. Il y aura le prochain farming. S'il me plaît, doutez-vous bien que je vais lui miner la gueule. Et qu'on risque de faire pas mal d'heures dessus. S'il me plaît, mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes vu les nouveautés qu'ils ont annoncées. En espérant que ce soit propre et sans bug, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je sais pas s'il sort des Call of, mais bat les couilles, des Call of Duty. Maintenant, il y a le prochain Battlefield, mais bon, jusqu'à présent, ce que j'ai vu, c'est que c'est trop futuriste à mon goût. Donc, je ne sais pas trop encore. Et certainement qu'il y aura d'autres jeux, bien d'autres jeux d'ici là. Donc, on verra à ce moment-là. On verra à ce moment-là, mais il y aura d'autres trucs certainement. Il y a aussi la. Comment ça s'appelle? Vous vous rappelez, l'année dernière, on m'a contacté pour une démo qui sortirait fin d'année. Je sais plus si c'était l'année dernière ou début d'année qu'on m'a contacté là-dessus. On me demandait si j'étais intéressé pour tester la démo fermée, la bêta fermée. Plutôt une démo qu'une bêta. Et du coup, j'avais répondu oui. Donc, c'est une simulation de café. Vous gérez votre magasin en quelque sorte. Et je sais pas plus que j'en sais pas plus que ça. Voilà. J'ai encore le mail normalement. Et c'était prévu démo fin d'année et jeu l'année prochaine. Donc, je ne sais pas. On verra à ce moment-là. Il y a celui-là également. Si c'est toujours d'actu, mais bon. Écoutez, pas besoin de faire des grands discours. Hein. Il m'a demandé, j'ai répondu oui, répondu génial, machin, ce sera pour fin d'année, etc., etc. Et du coup, j'ai pas plus posé des questions, donc on verra ça aussi fin d'année, ce que ça donnera. Et puis voilà, j'ai pas de nouvelles de Giant comparé à la, enfin, par rapport, pas comparé, mais par rapport à ce que j'aurais demandé, ce que je vous avais dit d'ailleurs. On est encore mi-août, donc je vais pas trop, je vais pas relancer, mais quand on arrivera fin août, si j'ai pas de réponse, il y a de fortes chances que je recommence. C'est quand on me répond pas, je suis plutôt du genre à spammer, tu vois. Ah, ça dépend pourquoi. Disons que sur les lives, j'ai pas tendance à spammer. J'ai déjà pas tendance à écrire beaucoup. Donc là, à ce niveau-là, voilà. Mais en ce qui concerne ces trucs-là. Donc par rapport à Giant, je pense que voilà. Déjà, à défaut de répondre aux gens, ils peuvent au moins répondre à leurs partenaires. En tout cas, j'espère. Parce que bon, c'est pas le top sinon. Mais voilà, quand c'est des trucs comme ça, j'ai plutôt tendance à spammer comme un gros porcasse tant qu'ils m'ont pas répondu. Et on verra bien, je vous tiendrai au courant quand j'aurai une réponse. Donc c'était par rapport au badge Silver que je voulais savoir. Et par rapport au jeu que je devais avoir en avance, si c'était en version digitale ou en version CD, parce que je n'ai pas lecteur CD. Et du coup, j'aime autant savoir si c'est une obligation qu'il envoie par CD, que je trouve un lecteur CD quand même. Même si j'ai pas très envie d'en trouver un. Parce que déjà, j'ai pas de place pour le mettre. Enfin, j'ai de la place dans mon PC, mais je vois pas où je vais le foutre. Déjà, je peux pas devant, ça c'est sûr et certain. Et un peu la flemme, hein, j'ai envie de dire, les frais cette année. Mollo quand même. Donc on verra. On verra, on verra. Je dis que je vous tiendrai au courant. Et puis du coup, bah, pour l'instant, pas de nouvelles. Donc effectivement, je vais avoir du mal de vous tenir au courant par rapport à ça.
Mis à part sur leur politique ont encore changé, c'est-à-dire que les badges bronze ne reçoivent plus les jeux et les DLC en avance, ce qui ferait qu'il y a de fortes chances que je réponde en leur disant ça vous ferait mal au cul d'avertir les gens que c'est plus le cas. Ça m'étonnerait. Mais voilà, on verra ce que ça donnera au moment voulu, quand ils me répondront. S'ils me répondent un jour. Je ne sais pas c'est quoi leur truc de vacances, donc leur planning de vacances, donc peut-être toute l'année. Non, je pense pas quand même. Ça m'étonnerait. Mais je sais pas, on verra bien ce que ça donnera. On verra bien, on verra bien. Alors serrez-vous, mon petit salonneau. Du coup, la veine fait toute petite par rapport au tagazo maintenant. J'ai que ça. Alors, je fais avec ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. Essayer de faire un peu les pointes pour s'en débarrasser. Et du coup, la prochaine fois, on se retrouvera pour de la vente. Donc, ce sera milieu d'hiver. D'ici là, faut que je laboure ce champ-là et l'autre que je faucherai pour mettre du blé. Les animaux, pour une fois, je les rentrerai tranquillement hors ligne. Ah, je crois que j'en ai oublié là. Oui. Je les rentrerai tranquillement hors ligne. Donc, il y a ça. Les mauvaises herbes aussi, la sarcleuse, j'ai l'impression de faire que ça. Vie ma vie, je passe la sarcleuse tout le temps sans arrêt, toutes les heures dans le jeu en fait. On verra sur le prochain. Alors sur le prochain, on sait d'ores et déjà, et ça c'est une bonne chose, qu'on sera pas obligé de jouer avec le mode saison. Suivant, pardon, ce qui nous collerons à faire l'hiver, c'est-à-dire à la production en fait, farine, etc. etc. Peut-être qu'il y a moyen qu'on démarre en mode saison, je verrai. Enfin, en mode saison, ce qui sera plus le mode saison. On démarre avec les saisons, je verrai avec les autres ce qu'ils en pensent parce que je reviens là-dessus, mais logiquement, je devrais l'avoir en avance. Donc, moi, je suis censé démarrer plus tôt que Chris et Maquet et Fred et peut-être Papy, si toutefois le jeu est à son goût. Mais est-ce qu'on aura les serveurs via Nitrado en avance? Je ne sais pas. Donc il se peut que soit j'ai serveur Nitrado également en avance et dans ce cas-là, je peux attaquer sur le serveur et là faut jouer avec les autres si on joue avec les saisons ou non. Ou soit je les ai pas et là je démarre une partie en solo, genre un peu bas les couilles en découverte et puis on redémarrera une série, notre cheat comme d'habitude quand on aura les serveurs. Donc on verra ce que ça donnera. Ça c'est pareil, je saurai. Je poserai la question à celui qui me répond chez Nitrado, enfin l'un des seuls qui parle français d'ailleurs. Parce qu'ils ont un support allemand, bon ça c'est hors langue donc voilà. Et ils ont un support français. Je sais pas s'ils ont un support américain. Enfin anglais, américain, etc. etc. Je ne sais pas du tout. Jamais trop fait attention, pourtant c'est marqué sur le Discord, mais jamais trop fait attention, donc je reposerai la question. Pour savoir à quel moment les serveurs. Normalement, ils en font une pub pas possible, donc logiquement, je devrais le savoir en avance si les serveurs Farming Simulator 22 seront là avant la sortie ou après. Donc on verra bien à ce moment-là, n'est-ce pas? Ce que ça donnera, mais on a encore le temps, on n'est que mi-août. Mais je vous avoue que ça me titille quand même. À ce coup-là, je commence à avoir hâte de mettre les mains sur le prochain. 3 ans, c'est long, hein. Il y en a qui disent que c'est pas plus mal parce qu'ils font des jeux un peu mieux développés. J'ai envie de dire, je dis pas le contraire, sauf que comme celui-ci est un peu à la ramasse, et pourtant, je dis ça, mais c'est celui que j'ai collé le plus d'heures, puisqu'effectivement, on le garde 3 ans à la place de 2. Donc c'est celui qui a, il a plus d'heures que le FS17, celui-là. Mais comme celui-là n'est pas. Alors déjà ne fait pas l'unanimité. Ni pour vous, ni pour moi. Ouais, c'est un peu long, quoi. Même si je prends quand même du plaisir à y jouer. J'en prends encore. On va vous dire que. Enfin, j'en reprends un peu, on va dire, plutôt que de dire j'en prends encore, parce que c'est vrai qu'à un moment je voulais même plus y toucher du tout. Donc disons que j'ai repris un peu goût, mais à petite dose. Et c'est vrai que passer 3 ans sur un jeu qui est non buggé déjà, où
t'as pas mal de fonctionnalités plus les modes qui suivent. En effet, il y a moyen que ça passe sans que tu trouves trop le temps long. Là, c'est faisable. Par contre, tu passes 3 ans sur un jeu qui est pas terminé, où il y a des choses qui sont buggées, des choses que tu aimes faire, parce que moi j'adorais faire les bots. J'adorais empiler des bots, maintenant je déteste ça. Où le bois est toujours buggé, du coup. Et en ce moment, en termes de map, alors ça fait un moment que je suis pas allé voir, donc je vais pas vous dire si elles sont bien nues ou nulles. Je vais me fier à ce que. Enfin, à ce que les gens m'ont dit par rapport à ça. Où les maps, apparemment, en ce moment, sont pas terribles. En effet, là, ça fait un peu long. Et là, en effet, je. En tout cas, pour ma part, là, ça commence à faire vraiment long. Même si cette map là est très bien, très simple mais très bien. Je vous rappelle quand même que c'était sa première map. Et je dois être à 180 heures dessus, je pense, là. Plus le premier coup où j'étais venu faire quelques lives dessus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, en effet, tu trouves un peu le temps long. Et en effet, il est vraiment temps que le prochain arrive. Et comme je viens de le dire, si le prochain est bien développé, qu'il n'y a pas de bug, en tout cas sur ce qu'il y a déjà d'existant, disons qu'il y a des petits problèmes sur les nouvelles cultures, sur les nouveaux les productions, etc., etc. Mais que tout le reste est correct et propre. Bon, tout ce qu'on connaît déjà, tout ce qu'on a déjà sur celui-ci est correct et propre. Et qu'il y a quelques bugs dessus et qu'il leur faut quand même un peu de temps pour le régler. J'ai envie de dire, en tout cas pour moi, c'est pas un souci. Parce que je peux comprendre que, bon, voilà, c'est même si c'est quand même des gros développeurs maintenant, j'arriverai à comprendre que, bah, comme c'est nouveau, ils n'ont pas mis le truc en place correctement, ils ont fait des erreurs ou il y a des choses difficiles à trouver, je peux encore l'admettre. Mais si dans le prochain, on a. Enfin, si. Disons que si le prochain dure 3 ans une nouvelle fois et qu'on a les trucs comme on a là actuellement, c'est-à-dire que les trucs de base qu'on fait quand même depuis des années maintenant, les bots, là je parle, ils sont encore buggés, si le bois quand même qu'on a depuis FS15 est encore buggé, plus des nouveaux bugs qui apparaîtraient, ce qui est encore possible, et en plus de ça, les nouvelles choses qu'on a sont buggées également, qu'on se tape 3 ans ça sans qu'ils corrigent le truc, ça va m'énerver, hein. Mais bon, disons qu'on va leur faire confiance, on verra ce que ça donnera. Mais ouais, là ce coup-là, ça commence à. J'ai hâte. Ça fait depuis le mois de janvier où je dis que je trouve un peu le temps long sur le jeu. Et c'est vrai que c'est de plus en plus le cas. Il y en a encore qui arrivent à faire des. Alors, à faire des vidéos. Tout le monde arrive à faire des vidéos dessus encore. Il y en a encore qui essayent, qui arrivent ou qui essayent de se diversifier dessus et qui ont l'air de s'en sortir. Moi après les séries suivies ça a toujours été mon truc donc c'est pas le truc qui fait le plus de vues bon, vous savez que les vues voilà hein, c'est ce que j'en pense celui qui aime bien il regarde celui qui aime pas il n'y en a pas puis voilà mais ça arrive encore à captiver les gens mais il faut celui qui crée les vidéos je pense qu'il soit captivé aussi et moi j'y joue parce que j'aime ça, mais c'est vrai que j'aimais plus la même énergie qu'avant. Disons qu'avant, voilà, vous savez que le gros moulin à paroles que j'étais à chaque fois qu'on faisait une vidéo farming, c'est vrai que maintenant j'ai un peu moins de choses à dire, on va dire. Et voilà. Enfin, je pense que ça se ressent que j'ai un peu moins de motivation pour farming qu'avant. Beaucoup moins même. Mais j'y prends quand même plaisir. Et il joue un petit peu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de motivation à jouer sur le 19 que j'avais auparavant. J'ai à jouer sur farming en général, parce que je pense qu'on va sur le 17 aujourd'hui. Bah, je vais être content de le retrouver, mais effectivement, je resterai dans le même état d'esprit que je suis pour l'instant. Et c'est vrai que. Enfin voilà, j'ai moins de patate en arrivant sur farming que j'en avais auparavant. Ça reviendra probablement avec le prochain. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ouais, c'est un peu plus complicado. Bref, on va se laisser là pour aujourd'hui, messieurs dames, on se retrouvera. Putain, il y a de la. Ah non, c'est pas moi, je suis en côté. J'ai peur. On se retrouvera demain pour du Farmer's Life et demain soir pour du farming. Et du coup, bah voilà. Moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi. Ou une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.